Tristesse. Telle est la chose qui s'empare du joueur quand parfois il se met à tourner inexorablement en rond dans un jeu. La tristesse le prend, la tristesse l'étreint, et l'emmène, tel un rideau d'encre noire, dans les plus profonds endroits de son imagination. Oui, on retourne dans Bendy and the Ink Machine pour un nouvel épisode, puisque je rame pas mal à avancer. Et je dois avouer que la luminosité que j'ai mis sur l'écran y joue un petit peu, vu que j'y vois parfaitement que dalle dès que c'est un peu sombre. Et du coup, l'endroit où j'étais coincé, eh ben, ça n'est rien d'autre qu'un endroit à la con, puisqu'il y avait un truc tout simple à faire pour m'en sortir. Et je vais vous faire voir quoi. Switch. Alors, je suis à un niveau où il faut que je fasse une petite croisière en rafio. Et la chose à laquelle j'avais pas fait gaffe, c'est que non seulement il faut que je garde appuyé ça en même temps que je navigue, que je peux pas vraiment choisir mes directions, et que de surcroît, il y a une main géante qui essaye de m'attraper. Mais, j'ai un moyen de m'en sortir. Et j'aurais dû le voir dans le stream précédent qu'on a partagé. Mais avec ma luminosité que j'ai un peu montée au passage, du coup, c'était pas évident. C'était tout simplement que quand mon bateau va s'arrêter, ouais, je regarde ce qui le fait s'arrêter. Et si on regarde bien, oh mon Dieu, elle vient droit sur toi. Il y a des sales trucs qui m'empêchent d'avancer. Cassos. Et je pense que je vais en avoir encore. Les magnes. Mais au moins cette fois, aïe. J'ai compris le truc. Donc voilà où était la source de mon courroux. Et on va essayer de faire ça bien, vite, propre. C'est-à-dire pas comme je viens de faire. Et ça devrait bien se passer. Ok? Allez, c'est parti. Vérifie, on sait jamais. Reste caché, vilaine mimine, reste caché. Je m'applique. Essayer de faire ça bien et de passer en moins de 10 fois quand même. C'est pas si compliqué que ça. De péter la gueule à des saloperies de morceaux d'encre. Avance mon ami, avance. Je pense qu'il va y avoir un troisième coup parce que ce jeu aime bien amener les choses par trois. Avance. Ah
C'est pas super fun hein, comme partie de jeu. Et crever juste au bout, ça me gonflerait. Oui, on arrive au bout. Ça va, tranquille la journée? Ouais, je vois. Quelle galère, mes amis. Bon, pas trop chaud, hein, je pense. T'es énervé de la hache, toi. Pourvu que je me rattrape pas tout le passage, parce que là, vraiment, il y a de quoi être vénère. Je ne fais même plus la blague de la sortie du... Bon, je vous laisse imaginer ce que c'est. Hein. Cours, crétin. Se battre avec lui, ça me semble pas trop d'actualité, donc je vais courageusement rentrer dans ce truc noir. Mais noir, quoi. Mais barre-toi, espèce de débile profond. Ce passage va nous casser les gros lois, les gros. Le die and retry, c'est pénible. Surtout quand on le fait dans un jeu qui vous fait tourner en rond en bourrique. C'est un cumul de dotards quand même qui porte à s'énerver assez rapidement. Alors le créateur m'a menti, il n'y a aucune issue, mon pote. Donc tu veux que je fasse quoi, moi? Comment qu'il est agité, le pépère? Réfléchir et se défendre, c'est pas ce qu'on a fait de mieux en même temps. Surtout quand la défense est minable et qu'on peut pas lui taper sur la gueule. Donc lui, apparemment, je peux pas le crever, si on est logique. Je n'ai aucune issue évidente à disposition. Bref, je suis dedans. Et je suis vraiment bien dedans. Je suis dedans à fond. Alors on va le faire courir, peut-être qu'il va se fatiguer. Mais j'y crois pas trop. Hein. Connard intergalactique. It's my life, let me live. Let me go. Let me have hope. Je vais retourner là-bas, hein, j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien là-bas. Ta gueule, barre-toi, espèce de con. Bouge pas, c'est mon tour de me marrer maintenant.
Non. Non. Je crois que derrière toi, il me semble, hein, j'ai l'impression. Ne bouge pas. Oh, merci Tom. J'étais à deux doigts d'envoyer bouler encore. Tu ne souris pas? C'est cool. Tu souris de l'intérieur. Ah, that was close. You're lucky we were in the neighborhood. Was that him? I don't think so. The searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay. Now that he's gone. Looks like we're in for a fight. Get ready. Watch out! Here they come! Pas loin. Sur la jouabilité, il y a des choses à redire. Hein. Again. À part cas, je suis totalement safe. Je peux laisser mes amis en chier et rester dans le coin derrière des fers. C'est le meilleur endroit ici. Tout le monde finit par venir, mais c'est un goulot d'étranglement. Ils n'ont aucun choix. Ils vont se faire broyer. Get away from me. Bon là. C'est vraiment très merdique, c'est dommage. On va utiliser la technique du lâche. Hein. C'est celle qui paye le mieux apparemment. La lâcheté dans les jeux, c'est moche. Je suis là et j'attends. Oui, non, je vais pas aller là-bas. Eux m'ont l'air pas commode. Mais je suis pas en très bon état. Thank you.
jamais ça s'arrête. C'est The Walking Dead, mais en version lente. The Walking Rotring. Vous avez des mots avec ceux-là parce qu'ils ont l'air particulièrement dégueulasses. Je vois bien de l'aide avec les gros là. Ça ne s'arrête jamais. Je vais rester dans mon angle, je suis bien. On fait quoi les amaches? Parce que ça semble pas vouloir s'arrêter là. C'est un peu long. Probably best if we stay together from now on. Henry, think you can lead the way? Sure. C'est là. Non mais je vous le dis, c'est là. Hein. Cherchez pas. Ça s'était presque trop bien passé jusque-là. C'est pour ça qu'on aurait dû rester ensemble, les amis. Les amis. Encore une machine à flip-flop qui est réglée sur tuyau. Où je sens le sale jeu. Et oui. Vous aimez les jeux de pipe? Eh ben on va jouer au jeu de pipe. Now that's interesting. Alors, il m'en faut un en T, un vertical et un courbé à droite. Et je n'ai plus ma HHH. Non, on évite ça. Alors, il faut des trucs à mettre dans la machine. Ça qui est moche. Ça va pas que bien se passer en plus. Ok. Faudrait que je trouve de quoi activer ma machine. Alors comment je vais faire? Parce que là elle est pas active. Il faut que je trouve une boule d'encre. Et cette boule d'encre, je ne peux la trouver que soit naturellement par terre. Soit.
Soit, soit. Soit sur une bestiole. Mais je n'ai pas de bestiole à disposition pour l'instant. Puis j'ai rien pour me battre, alors c'est... On va éviter. Donc on notera que Gent, c'est les coffres. Ça va? Non mais casse-toi. J'ai rien pour me battre, gars, c'est pas très fair play. T'es vertical courbé, on y retourne comme d'un seul homme. Mais tu ne peux pas refermer les portes, petit comique. Comique troupier. Petit pas, petit pas, petit pas. Hey. Oui, je vais essayer d'être rapide. Ce qui ne me garantit pas de rester vivant, du coup. Non, c'est closed. Oh putain. Mauvaise idée. Bon, à force de me faire toutes les salles, je finirai bien par tomber sur ce que je trouve. Non. Ça me semble logique. Oh putain le con. Bourre-toi. Bourre-toi. Je joue à Benny Hill. Je joue très bien à Benny Hill, méfie-toi. Vous savez quoi les amis, je vais me faire encore une pause salvatrice. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Et oui, d'autres impératifs. Et on se retrouve donc pour la suite du stream. Ah oui, celui-là aurait été plus court, ça sert à rien de vous faire tourner en bourrique avec moi. On se retrouve donc pour la suite du stream, dans l'épisode suivant, tout simplement. Donc, on en est ici, à l'administration. Et ça va être pénible, et je vais vous l'épargner. A tout de suite, ciao!